Hey, hey, hey! Salut mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo de rappel de plusieurs choses. Alors vous voyez devant vos yeux ébahis nos enfants Eugli qui n'attendent que votre petit clic, votre petit vote pour élire l'héritier de la prochaine génération du Eugli to Beauty Legacy Challenge. Donc le premier prétendant c'est Joris. Voilà, sous son meilleur jour. Les yeux violets, le seul et unique avec les yeux violets, des pommettes saillantes, le menton piquant, et des beaux yeux, des beaux cheveux bruns, je voulais dire, enfin bruns, châtains. Nous avons Carla. Carla, elle a une tête un peu shootée. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, on va faire ça comme ça sera beaucoup mieux. Carla, que vous voilà, hein, qui a toutes ses chances, hein. Voilà, un petit sourire. Ah oui, voilà, son petit profil, elle a un nez, tout ça, un menton, tout ça, tout va bien. Nous avons, elle a les yeux rouges du lémon, hein, faut pas oublier. Nous avons sa sœur jumelle, qui est vraiment jumelle, jumelle. C'est Litvin. Vous voyez, hein, c'est la même. C'est le portrait craché de leur mère, ils n'ont pas la même couleur d'yeux, ni de cheveux. Salut! Et voilà. Et en dernier, nous avons Ludwig, aussi avec les yeux du démon, aussi avec le menton et les pommettes saillantes. Et lui, il est rouge, ce rouge comme ses sœurs. Donc, pour voter, c'est simple, c'est dans la description. Je vous mettrai le lien, évidemment. J'avais annoncé que ce sera entre le vendredi 30 et le samedi 1er. Je regarderai, je tournerai ma petite vidéo aussi pour voir les résultats et vous annoncer qui ce sera, puisque le samedi et dimanche qui vont arriver, pardon, je vais tourner les prochains épisodes. Donc, vraiment, il faudra faire à ce moment-là. C'est vraiment le. Là, le dernier moment, vous aurez eu 2 semaines pour voter, hein, après les vacances, tout ça. Et si vous n'avez pas eu le temps de voter, ben, je suis désolée. C'est vrai que ben, moi, j'ai pas fait de pause. Juillet, août, j'ai continué les épisodes parce que ben, j'ai eu des vacances, oui, des congés plutôt, mais j'étais à la maison. Donc j'en ai profité pour jouer beaucoup. Et comme ça, vous avez eu des épisodes tout l'été. C'est ça qui est bien. Et puis, petite chose aussi concernant les Ugly. Vous pouvez construire leur prochaine maison puisque l'héritier va déménager à Brindleton. Non, non, Brindleton, mais on y est déjà. J'ai du mal, je me gourre tout le temps. L'héritier déménagera en temps voulu, c'est-à-dire quand il sera adulte. Enfin, dis-moi si c'est Joris, et eh ben, on attendra un peu, mais voilà. Enfin. Donc, bref, parce que j'ai dit que. On va y arriver. Vous avez jusqu'au 15 septembre à peu près pour construire leur maison. Tous les détails sont dans une vidéo que j'ai faite. Je vous mettrai le lien aussi en description pour que vous puissiez aller la voir et la description sera complète avec ce que je demande. Pour les kits et compagnie, j'ai tout ce qu'il y a à voir sur les Sims, donc vous pouvez tout mettre. Et même si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Et dernière chose qui n'a rien à voir avec le Ugly. Je vous demande aussi si vous avez raté la dernière vidéo des 10 minutes Build Challenge. Je vous ai lancé un petit défi concernant la maison. En fait, j'ai complètement foiré. Elle est vraiment affreusement horrible et moche et vide, la maison du 10 minutes Build Challenge. Et je me suis dit, allez, vous allez dans ce cas-là, sans temps limité, sans budget limité, vous allez refaire la déco et la maison. Sans, vous touchez pas les murs en fait à l'extérieur, mais vous pouvez changer le toit et les murs intérieurs comme vous voulez, le jardin, tout ça. Et je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vous invite aussi à regarder la vidéo et à faire la maison. Certes, il reste plus beaucoup de temps puisque je compte la faire au moins peut-être ce week-end, tard le week-end, pour que ce soit dimanche prochain que je la posterai. Pas dimanche 2 septembre, je crois, ce sera pour dimanche d'après. Ah, n'est-ce pas? J'ai pas un calendrier en tête là maintenant. Donc je vous mets pareil le lien dans la description si vous voulez participer à ce petit concours, ce petit challenge, sachant que moi aussi j'ai refait la maison et au lieu de passer 10 minutes dessus, j'ai mis genre 10 heures. Hein. Là vraiment je me suis lâchée, je me suis dit là je prends ma revanche. Donc vous verrez la maison que j'aurai refaite et les maisons des autres concurrents. Bon, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir. Et si vous voulez passer dans une vidéo, moi ça me ferait très plaisir puisqu'on vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, c'est tout pour le rappel. Donc n'hésitez pas à voter pour les Ugly dans la description, dans le sondage. N'hésitez pas à construire leur maison aussi, ce sera dans la description. Et le relooking de la maison ratée aussi dans la description. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures du Ugly ou d'autres choses. Allez, salut!